Tom la dépanneuse. Vas-y, Jerry. Juste un peu plus vite. Bravo, tu as gagné. Tu peux t'arrêter maintenant, Jerry. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à ralentir? Tu vas devoir essayer de t'arrêter d'une manière ou d'une autre. Freine! Bonjour, Tom. Désolé de te réveiller, mais nous avons un problème. Tu peux venir sur le circuit tout de suite? Jerry, la voiture de course a besoin d'aide. Le voilà! Mais Jerry est de l'autre côté de la barrière. Il va falloir que tu roules sur la piste pour le récupérer. C'est amusant d'être sur la piste de course, n'est-ce pas? Si tu fais du bon travail, Jerry te laissera peut-être revenir pour faire une course. Excellent travail. Ramenons Jerry à l'atelier. Que doit-on faire en premier, Tom? Identifier la raison pour laquelle Jerry n'a pas pu ralentir? Bonne idée. Jetons un œil au frein de Jerry. Tu vois quelque chose? Oh non, Jerry! Tes freins sont tout abîmés. Ne t'inquiète pas, Tom saura quoi faire. Nous allons retirer les freins abîmés et les remplacer par de nouveaux. Ok, allons-y. Et si nous allions chercher de nouveaux freins, Tom? Celui-là fera-t-il l'affaire? Ok, essayons-le. Alors, c'est comment? Beaucoup mieux? Super. Y a-t-il autre chose que tu pourrais faire pour Jerry, Tom? Oui. Quoi donc? Nous devons vérifier s'il y a une surchauffe sous le capot de Jerry. Quel est le problème? Le capot de Jerry est très chaud? Oh mince alors. Que devons-nous faire? De l'eau glacée? Bonne idée! Excellent travail, Tom. Est-ce que Jerry est prêt à revenir sur la piste? Non, mais que doit-on faire d'autre? Ah, peindre les rayures là où Jerry a heurté la barrière. Excellente idée. Maintenant, tu es prêt à retourner sur la piste. C'est une offre intéressante. Tom, tu veux aller sur le circuit avec Jerry?
Tu ne peux pas rouler plus vite que ça, Jerry. Je m'en doutais. Excellent travail, Tom. À la prochaine. Tom la dépanneuse. Bonjour, Henri. Comment vas-tu? Tu aides Jerry la voiture de course à s'entraîner pour la course de cet après-midi? À vos marques, prêts, partez! Oh non, les deux voitures t'ont dépassé, Henri. Peux-tu aller plus vite? Tu as l'air vraiment fatigué. Ralentis. Oh, voilà Tom, la dépanneuse. Bonjour Tom, que fais-tu de beau? Tu fais le tour de Car City pour voir si quelqu'un a besoin de ton aide? Eh bien, Henri est très triste aujourd'hui. Comment ça se fait, Henri? Il a l'impression que toutes les voitures de Car City vont plus vite que lui. Peux-tu l'aider, Tom? Génial! Quelle est ton idée? Tu veux remorquer Henri jusqu'au garage pour l'aider à rajeunir? Qu'en penses-tu? Non? Ne sois pas si grognon, Henri! Ne veux-tu pas aller aussi vite que Jerry, comme avant? Tu pourras peut-être le battre à la course. On va remorquer Henri jusqu'au garage. Excellent travail! On est plus très loin maintenant. Et voilà! Qu'allons-nous faire en premier? Regardez sous le capot? Excellente idée. Alors? Tu penses qu'il y a un problème avec le moteur d'Henri? Essayons de le réparer? Qu'allons-nous faire en premier? Nettoyer le filtre? Ok, allons chercher des outils. Que nous faut-il? Un spray? Excellente idée. On va ouvrir le filtre. Et vaporiser. Regardez toute cette poussière! Bien joué, Tom. Le moteur d'Henri est-il prêt à repartir maintenant? Qu'y a-t-il là-dedans? Une nouvelle courroie de distribution? Bonne idée! A-t-on besoin d'autres outils? Une clé à molette? Bien vu. Est-ce que c'est la bonne taille? La petite plutôt? Parfait. Qu'allons-nous faire en premier? Desserrer les vis? Bonne idée. Attention. Génial! Voyons voir si la nouvelle courroie rentre. C'est fantastique! Oh là là, cette toux est inquiétante. Pas étonnant qu'Henri n'arrivait pas à suivre Jerry. Peut-on l'aider, Tom? Que nous faut-il? Un nouveau pot d'échappement? Excellente idée!
On essaie ? Ça va mieux, Henri ? Super. Tu veux retourner faire la course ? Hey, Jerry, regarde qui voilà. C'est Henri et il est comme neuf. À vos marques. Prêt ? Partez ! Bravo, Henri ! Au revoir, Tom. À bientôt. Tom la dépanneuse. Tom. Hey, Tom. Debout maintenant. Le téléphone sonne. Alors, que se passe-t-il ? Oh, Ben, le tracteur est tombé en panne. Allons l'aider. Ben, ça va aller. Tom est en chemin. Il va te réparer en un rien de temps. Tom, où peut bien être Ben ? Ben ? Regarde, Ben est ici. Dépêchons-nous. Salut Ben, comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben dit que son moteur est en panne. Et en effet, il l'est. Direction le garage, Ben. C'est parti! Nous voilà au garage. Ben, Tom va s'occuper de toi maintenant. Commençons par du nettoyage. Te voilà propre comme un sous-neuf, Ben. Et c'est grâce à Tom. Alors, Tom, qu'est-ce que l'on peut faire? Ah oui, tu as raison. Il faut changer le moteur. Il a l'air vraiment en mauvais état. Est-ce que celui-là fera l'affaire? Tiens, voilà le moteur parfait pour Ben. Ben, regarde, Tom t'a trouvé un nouveau moteur. Excellent travail, Tom. Qu'est-ce qu'il y a, Ben ? Il y a un autre problème ? Ah, le rétroviseur est cassé ! Oh, on a failli ne pas le voir ! Je suis sûr que ce n'est pas du tout un problème. N'est-ce pas, Tom ?
As-tu trouvé, Tom? Je parie que oui. Te voilà avec un nouveau rétroviseur, Ben! Génial! Te voilà complètement réparé! À la prochaine, Ben! À très vite, Tom! Troy le train! Oh mon Dieu, Troy, c'est un tremblement de terre. Allons nous assurer que tout le monde est en sécurité. Oh non! Allons voir si l'équipe de construction a besoin d'aide. Les amis, vous avez ce qu'il vous faut pour finir de réparer le pont? Ah, ils ont les matériaux dont Charlie a besoin, mais ils sont de l'autre côté du pont. Ils ne peuvent pas traverser la rivière car le pont est cassé. C'est une excellente idée, Troy. Nous devons aller à l'entrepôt à Car City chercher un nouveau véhicule qui pourra traverser la rivière. Ne vous inquiétez pas, les amis, nous allons revenir. D'accord, il est temps de rencontrer notre nouvel ami. Quel véhicule pourra traverser la rivière malgré le pont cassé? Un transporteur de voitures? Un tracteur? Un bateau? Parfait! Un bateau sera capable de récupérer les matériaux et de les amener à Charlie de l'autre côté de la rivière. C'est bon, il arrive. Revenons à la rivière et construisons ce bateau. Maintenant, assemblons notre nouvel ami. Il faut d'abord décharger les pièces. Nous devons le construire sur la rive. C'est bon, il est presque prêt. Bonjour, bateau. Comment t'appelles-tu? Bobby. Super. Bienvenue à Car City, Bobby. Troy, Bobby peut voyager sur l'eau. Bobby, nous avons une mission importante pour toi. Peux-tu amener les matériaux à Charlie par l'eau? C'est ça. D'accord, Edgar. Peux-tu te baisser et donner les matériaux à Bobby?
Super travail! C'est bon. Maintenant, Charlie, tu peux réparer le pont. Super travail, les amis! Troy, tu as eu une excellente idée en amenant Bobby ici. L'équipe n'aurait pas pu réparer le pont sans lui. À plus tard, Bobby! Au revoir, l'équipe! Au revoir, les amis! Bonjour! Comment pouvons-nous t'aider? D'accord. Charlie, Ethan, Edgar, bébé Franck et ses amis ont besoin d'aide pour une construction. Voulez-vous qu'il vous parle de son projet? Super. Quelle est notre mission aujourd'hui? Waouh! Une grande roue pour le terrain de jeu. Génial! L'équipe de construction va s'en occuper. Allons-y, les amis. Ça va être amusant, mais difficile. Vous allez devoir travailler tous ensemble en équipe pour y arriver. D'accord, les amis. Voici ce que nous devons faire pour accomplir notre mission. Première étape, attacher les deux roues extérieures sur l'axe. Deuxième étape, attacher les supports des deux côtés de la roue. Troisième étape, ajouter les nacelles. Waouh! Nous avons plein de matériaux de construction. Mettons-nous au travail. D'accord, il faut tout d'abord rassembler les matériaux dont nous avons besoin et les amener sur le lieu de la construction. En premier, nous devons creuser un carré pour les fondations. Qui peut faire ça? Parfait! Très bien, maintenant, nous devons simplement remplir le trou avec du béton. Oups, nous avons oublié de préparer le béton. Aucun problème, appelons Christopher la bétonnière. Hé, Christopher, l'équipe de construction a besoin de ton aide. Peux-tu venir sur le terrain de jeu pour mélanger du béton? Super, tu es arrivé. Nous devons remplir ce trou avec du béton. Peux-tu en mélanger? Oups! Vite! Il faut mettre le béton dans le trou avant qu'il ne sèche. Oh, c'était moins une. Maintenant, pendant que le béton sèche, construisons la roue.
Tout d'abord, nous devons attacher les roues sur l'axe. Oui. Super! Beau travail d'équipe tous les deux. Il ne faut pas oublier de visser le tout. La grande roue est splendide, les amis. Maintenant, posons-la sur les fondations. Oh, zut! Edgar n'est pas assez grand. Charlie, pourrais-tu essayer? Waouh! Vous faites du très bon travail! Vite! Il faut aussi visser la roue sur les fondations! La grande roue est terminée. Elle est magnifique, les amis. Ah, tu arrives juste à temps. L'équipe de construction a presque terminé la grande roue. Voudrais-tu voir Charlie, Ethan et Edgar attacher les nacelles? D'accord. Ethan, amène-les jusqu'à la roue et Edgar va les attacher dessus. Très beau travail, les amis. Alors, vous aimez la nouvelle grande roue? Excellent! Nous sommes ravis que vous vous amusiez. Bravo, les amis! Vous voyez, nous pouvons tout accomplir quand nous travaillons en équipe. Merci beaucoup pour ton aide, Christopher. À plus tard. À la prochaine. Tom la dépanneuse. Bonsoir, Hector. Que fais-tu debout si tard? Tu surveilles Car City pour t'assurer que tous les véhicules sont en sécurité? Bien, continue. C'est du bon travail. Oh non! Fais attention au bâtiment, Hector! Il y a un autre hélicoptère. Attention! Ne t'inquiète pas, Hector. Je vais tout de suite appeler Tom la dépanneuse. Hector, je te présente Ella, l'hélicoptère. Elle vient juste d'arriver à Car City. Tom, Hector, l'hélicoptère a eu un accident. Peux-tu venir rapidement? Tu as besoin d'une remorque pour ramener Hector au garage? Excellente idée. Dépêche-toi, Tom. Voilà Tom, les amis. Il va te ramener au garage et réparer tout ça en un rien de temps. Et là, peux-tu aider Tom à mettre Hector sur la remorque?
Attends. Et là, ça te dirait de voler avec Hector tout à l'heure? On dirait que les pales du rotor d'Hector sont cassées. Que devons-nous faire en premier? L'enlever? Ok. On va utiliser la clé. Quel outil doit-on utiliser après ça? Une pince? Bonne idée. Maintenant, serrons-la bien avec la pince. Et utilisons un marteau pour lui redonner sa forme. Parfait. Est-ce que ça va mieux, Hector ? Doit-on vérifier autre chose, Tom? Tu as raison, Hector a besoin d'un nouveau phare. Lequel devrions-nous prendre? Celui-là? Celui-là, peut-être. Ok, Tom, essayons-le. Peut-on vérifier si ça marche? Parfait! Tu te sens mieux maintenant, Hector? C'est super! Merci, Tom! Au revoir, Hector! Au revoir, Tom! À la prochaine! Tom la dépanneuse. Bonjour Denver, je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu es venu d'Angleterre pour les vacances? C'est super! Hey, attends une minute, tu conduis du mauvais côté de la route. Regarde, c'est Lily. Attention! Oh non! Denver, tu vas bien? Nous ferions mieux d'appeler Tom la dépanneuse immédiatement. Bonjour Tom, peux-tu venir rapidement? Denver, l'autobus à Impérial a besoin d'aide. Voilà Tom. Parfait. Emmenons Denver au garage pour le réparer. Ne t'inquiète pas, Lily. Tom saura quoi faire. Nous y voilà! Oh non! Ça va nécessiter beaucoup de réparations tout ça. Qu'allons-nous faire en premier? Remplacer la vitre cassée de Denver? Excellente idée! Mmh.
Assure-toi de prendre la bonne. Qu'en penses-tu? Non? Tu as raison, Tom. Celle-là n'a pas la bonne forme. Que penses-tu de cette vitre-là? Parfait! Essayons-la. Bien joué, Tom. C'est la bonne taille. Et ensuite, nous devons réparer la grille de Denver. Ok. De quoi avons-nous besoin? De nouvelles barres? Ok. Allons les chercher. Combien nous en faut-il? Une. Deux. Trois. Ça a l'air beaucoup mieux. Y a-t-il autre chose que nous devons réparer? Et qu'est-ce donc? Tu penses que Denver a besoin d'une nouvelle couche de peinture? Excellente idée! Waouh! Denver est comme neuf! Bon travail, Tom! Hey, attends une minute! N'oublie pas de conduire du bon côté de la route! Au revoir, Denver! Au revoir, Tom! À la prochaine! Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Tu as un problème? Appelons Tom la dépanneuse. Il pourra t'aider. Tom, ton ami Franck est en danger. Il faut que tu ailles l'aider. Franck ne se trouve pas ici. Peut-être qu'il est là-bas. Regarde, Tom, nous avons trouvé Franck. Allons l'aider. Sinon, la ville ne pourra plus être protégée des flammes. Salut, Franck. Te voilà sauvé. Tom est arrivé. Parfait. Retournons au garage. Ok, Tom. Prêt pour réparer le camion de pompiers? C'est parti. Commençons par changer le pare-choc. Il est tout cassé. Celui-là a l'air parfait. Waouh ! Il te va comme un gant. Qu'y a-t-il ensuite, Tom ? Bien sûr, il faut changer les roues. Nous en avons besoin de 6. Du coup, quelle pile de roues allons-nous choisir, Tom? Bien sûr, celle-ci.
Super, Tom. Oh, le réservoir est percé. Il faut le refermer, sinon l'eau ne pourra pas y être stockée. Waouh, Tom! Est-ce que tu vas refermer le trou avec ce soudeur? Bravo, Tom! Tu es superbe, Franck. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Penses-tu à autre chose? Mais oui, bien sûr! Une toute nouvelle échelle! Vois-tu autre chose à réparer, Tom? Ah, tu as besoin d'un nouveau gyrophare, Franck! Tom, peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Génial, Tom! À bientôt, Franck! Et excellent travail, Tom! À la prochaine! Tom la dépanneuse. Bonjour, Rocky. Ici la tour de contrôle. Es-tu prêt à aller dans l'espace? Ok, Rocky. Prépare-toi au lancement. 3... 2, 1, décollage. Qu'est-ce qui ne va pas, Rocky? Tu n'arrives pas à décoller? Oh non! Ne t'en fais pas, Rocky. Je vais demander à Tom, la dépanneuse, de t'aider. Tom! Hey, Tom! Rocky, la fusée a besoin de ton aide. Où est-il? Il est à l'aéroport. Attends. Tu n'as plus le temps de remorquer Rocky jusqu'au garage. Tu vas devoir le réparer là-bas. Pourquoi ne prends-tu pas une caisse à outils avec toi? Où est-elle, ta caisse à outils? Super. Allons à l'aéroport pour aider Rocky. Dépêche-toi, Tom. Le voilà. Regarde, Rocky. D'où vient le problème, à ton avis? Oh oh, ça a l'air grave. Tu as une idée, Tom? Tu penses qu'il y a un problème avec le turboréacteur de Rocky? Tu veux qu'on y jette un œil? Qu'est-ce que c'est, Tom? Le réacteur de Rocky est bouché par du vieux carburant? Oh non! Qu'allons-nous faire? Retourner au garage chercher un réacteur de rechange? Excellente idée, Tom! Allons-y! Nous y sommes. Nous allons changer ce vieux réacteur. Bon travail. Allons essayer le nouveau réacteur. Voyons voir s'il fonctionne. Parfait. Peut-on faire autre chose pour Rocky?
Son réservoir? Oh oh, tu as raison, Tom. On dirait que Rocky n'a pas beaucoup de carburant. Excellente idée. Nous allons demander à Tyson, le camion-citerne, d'apporter plus de carburant à Rocky. Tyson? Hey, Tyson! Tom, la dépanneuse, a besoin de ton aide. Rocky n'a plus beaucoup de carburant. Il est sur le point de s'envoler dans l'espace. Peux-tu venir rapidement? Les amis, voici Tyson. Où se trouve le bouchon du réservoir? Le voilà! Rocky a le réservoir plein maintenant. Comment te sens-tu, Rocky? Super! Merci pour ton aide, Tyson. À bientôt! Maintenant, Rocky est prêt à s'envoler pour l'espace. Super! Rocky, ici la tour de contrôle. Prépare-toi au lancement. 3, 2, 1. Décollage. Bien joué, Tom! À bientôt! Au revoir, Rocky! Amuse-toi bien dans l'espace! L'atelier de peinture de Tom. Bonjour Tom. Prêt à peindre? C'est Cathy, la Kit Car. Tu as hâte, Cathy? En quel personnage veux-tu te transformer? Tu veux qu'on devine? Tu peux nous donner un indice? Ok, quelqu'un qui voyage beaucoup, avec un sac à dos et un singe comme compagnon? Dora l'exploratrice! Tom est prêt à commencer. La première chose à faire, c'est de protéger tes yeux. Est-ce que c'est pour la peau de Dora? Bravo, Tom! De la peinture orange? C'est pour le short de Dora? De la peinture rose? C'est joli et brillant, Tom! Jaune, c'est pour les chaussettes de Dora, non? C'est quoi la suite, Tom? Le sac à dos de Dora. Elle ne sort jamais sans son sac.
Génial! C'est une perruque! Cathy, tu ressembles vraiment à Dora l'exploratrice! Super travail, Tom! On dirait que tu as un autre visiteur, Tom. Bonjour les enfants, que faites-vous ici? Vous êtes venus voir Dora l'exploratrice? Écarte-toi, Tom. Les enfants veulent admirer ton travail. Dites hola à Dora, les enfants. Merci, Tom. À la prochaine. Le lavage auto de Tom. Matt, la voiture de police roule très vite. Il doit y avoir une urgence. Waouh, il est tout sale. Que s'est-il passé, Matt? Tu poursuivais une voiture roulant à toute vitesse qui a renversé une poubelle? Voilà pourquoi tu es si pressé d'aller à la nouvelle station de lavage auto de Tom. On va te nettoyer, Matt. Suis Tom. Par quoi on commence, Tom? Un jet d'eau pour se débarrasser de la saleté. Super! Maintenant, on va enlever ces taches. Veux-tu que Tom utilise un bain moussant pour te parfumer et te rendre tout propre? Ok. C'est le moment de frotter ces vilaines taches. Prêt pour le brossage, Matt? Ok, rinçons toutes ces bulles. Maintenant, reste tranquille, Matt. Tom va allumer le séchoir. On dirait que tu aimes ça, Matt. C'est bon, Tom? Tu as fini de nettoyer Matt? Bonne idée. Le bain moussant a bien marché, mais un bon désodorisant va certainement venir à bout des odeurs qui restent. Waouh, Matt! Tu es propre comme un sous-neuf! Et tu sens bon aussi! Ouais. Matt est vraiment content d'être propre! Merci pour tout, Tom! Attendez, Tom a vu quelque chose. Oh oh, c'est une peau de banane. Attention, Matt! Oh non, il va heurter la poubelle. Tu as de la chance que la poubelle soit vide, Matt. Tâche de rester propre. À bientôt, Tom.